direction les États-Unis et zoome sur une marque légendaire du bateau à moteur, Chris Craft. Le constructeur Yankee réalise aujourd'hui une grande part de son chiffre d'affaires à l'export, y compris en Europe. Deux nouveautés majeures à Cannes, le Catalina 34 motorisé en hors-bord et le tout nouveau Capri 25. Chris Craft est ravi d'être au Cannes Yachting Festival 2015 pour présenter deux nouveaux modèles. Le Capri 25, qui est le plus grand modèle de la gamme des étraves verticales de Chris Craft. Nous lançons aussi le Catalina 34, qui est le plus grand modèle de la série Catalina à console centrale, avec des bateaux tous motorisés en hors-bord. Le Capri 25 est donc le second modèle de la série Capri à être lancé après le petit 21 pieds il y a 2 ans. D'entrée, on remarque le style rétro des années 30 avec cette étrave verticale et ce look de canot automobile. Bravo aussi à la couleur laquée type cachemire du gel coat et à l'aménagement intérieur du runabout. Il y a plusieurs caractéristiques propres à l'étrave verticale que l'on ne retrouve pas dans notre gamme Corsair habituelle. Nous avons un élément propre à l'étrave droite. Nous disposons d'une plateforme très bien pensée qui se soulève et s'abaisse pour permettre aux personnes un accès confortable à la poupe du bateau. Ensuite, nous avons un cockpit beaucoup plus grand. Nous avons éliminé les panneaux latéraux en teck qui sont un des éléments classiques de notre gamme afin d'augmenter la taille du cockpit. Le Capri 25 dispose d'un avant totalement ponté qui abrite une cabine. Des marches permettent d'accéder à la proue du bateau, même si sur place l'espace est limité. Et question carré, on retrouve 2 tables en teck pliables et surtout 2 sièges de belle facture qui peuvent se retourner vers l'arrière. Pour le pilote, un tout nouveau tableau de bord fait son apparition avec en arrière-plan un puissant moteur V8 développant 300 chevaux. C'est d'ailleurs la motorisation de base du Capri 25, celui-ci pouvant accueillir un V8 de 450 chevaux maximum. En mer, le Chris Craft ne fait pas dans la dentelle et enchaîne les virages à très grande vitesse. Fun et facile à manier, il est néanmoins plus à l'aise sur un lac ou une mer calme, notamment en ce qui concerne le confort des passagers. Question budget enfin, le Capri 25 est commercialisé en Europe autour des 150 000 euros, hors option.